C'est la maison de mes voisins. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Nasdas pour Halloween. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Mais aujourd'hui, j'avais totalement oublié qu'on était Halloween. Aujourd'hui, c'est Halloween et regardez. Je trouve ça hyper stylé, ils ont fait un cimetière dans leur jardin. Eh, mes voisins, eux, eh, je les aime trop. Mais je file pour le retrouver. Mais tu crois la kidnappe est en fesse ou quoi? Ça fait une heure qu'on est sur le truc, ça y est, il va revenir. Mais comprends-moi, le petit il est pas là, j'ai pas de nouvelles en fait. Ah mon sang là, 4B, il a disparu et avec son fils, la putain de sa mère. Dis-moi, il est où? C'est qui? Arrête de me dire c'est qui, je te parle du petit. Je sais pas. Il est où son fils? Je sais pas, mais c'est pas vu, moi j'ai vu que moi. Pourquoi? Et t'as pas dit il est parti au 4B? Je sais pas. Ah, mais comment ça tu vas appeler la police? J'ai appelé la police, si j'ai pas de nouvelles, je peux pas. Ça fait une heure et demie, on essaye de l'appeler. Voilà. Il a disparu avec son fils. Voilà, il a disparu avec son fils. Je comprends. Mais t'es en train de nous crier dessus comme si c'était nous. Mon Dieu, c'est nous. Mais c'est nous. Mais je suis qui pour prendre ton chi? Tu fais pas des trucs comme ça, ça va pas. Elle a pas tort. Peut-être qu'il est parti le malaise. Ah, mais il a raison, il y a la fête foraine, oui! Ou alors il a pas tort! Il y en a, on parle sérieux. Oui. T'as dit, il est où ou pas? Non, c'est pas vu, moi, demi, je suis réveillé, c'est pas. Ouais, mais ça, Ena, calme-toi, tu te merde, arrête, mais t'es niqué, toi, quoi! Ena, arrête, ça y est, on va le retrouver! Il habite ici, 4B! Ah, t'avais pas qu'à lui laisser ton fils ici, que je te jure, voilà. J'ai dû le prendre. Oh, où il est parti, ce petit fils de pute? Arrête d'appeler la police, voilà, t'es en train de se parler. Arrête, ça y est, tiens, prends le son. Ça y est, tu t'es calmé? Non, je suis pas calmé. Regardez, à cause de 4B, je me retrouve comment? Il a pris le chien sur la piscine municipale. Ils sont à la piscine en gros là. On dirait quoi? Lumpa, tu connais pas? Où est mon carré? C'est bon. Mais quoi, c'est pas des enfants, Non, t'inquiète, moi. Mais c'est pour des enfants ça, même en soeur avec. Hey, t'es ton vieil âge. J'avais pas le droit de filmer à l'intérieur. Et j'ai découvert ça à 4B. Mais là, c'est bon, il arrive normalement. Je vais lui foutre une de ses roustes, je le jure. Marche, change-toi, putain de ta mère, elle était à deux taper la police. Mais c'est lui. Enlève tes mains. C'est lui, c'est lui. Chut, change-toi, tu vas voir. Attends. Mais c'est lui, là. Mais attends. J'ai eu trop peur, maman, elle a trop paniqué. Plus jamais je veux que tu me fasses ça. Tu me préviens. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Franchement, non. Vraiment. Des gifs, toi. Mais 4B, oula, j'ai... Mais c'est lui, il voulait. C'est toi, tu lui as dit on va à la piscine, mon grand. C'est toi, tu lui as dit que tu voulais aller à la piscine? Non. Mais même 4B, même. Ah putain de ta mère. Que la soirée Halloween commence, mon fils. Regardez tout ça là. Je sais même pas il y a combien de billets de 10. Mais à côté, on va le mélanger avec plein de bonbons. Et les gens, quand ils vont venir sonner, en vérité, c'est un sort ou un bonbon. Oui. Ben là, ça va être un bonbon ou un billet. Franchement, niveau décoration, on a essayé de faire au maximum la chaîne. Regardez. C'est la maison de l'horreur, Torture Room. On a mis des ballons partout. Ouais. Hein, t'es contente? Oui. Et regardez, s'il vous plaît, regardez. Regardez-moi. Du riz avec du colorant. Il y a à manger, parce que ce soir, tout le monde est invité. Et j'ai donné de l'argent à tout le monde pour qu'ils achètent un déguisement. J'espère qu'ils ne vont pas me décevoir. Mais regardez-moi ça. Que la soirée Halloween commence! À votre avis, c'est le déguisement de qui? Regardez, on a fait venir une maquilleuse professionnelle pour maquiller tout le monde. Mais j'ai pas envie de spoil. Mona. Ah, les frères, c'est vrai!
Hey, les gars, regardez ce qu'on va faire. Je reviens dans 10 minutes, d'accord? Prochain? Bah, c'est qui? C'est Lauriana? Oui, c'est moi. T'es déguisée en momie, toi aussi? Ouais, mais pas momie pute. J'ai dit quoi? Mais quoi? C'est bon, vas-y. Mais cassez-vous! Lui, je sais que c'est Billy DZ avec son ventre. Je vous jure que je sais pas qui c'est, je le jure. C'est moi, Maji. T'es bon, Maji. À mes Twitter. Hein? À mes Twitter. Twitter? À mes Twitter. C'est quoi ça, à mes Twitter? C'est à mes Twitter, c'est comme ça. Eh, mais je vous jure qu'ils font flipper les déguisements, la tête de ma mère. Original. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi. Mais ce trou du cul, je sais qui c'est. T'es déguisé en quoi? Poubelle. Là, t'es déguisé en poubelle. Et t'as pas oublié l'odeur, le putain de ta mère. Hein? Allez, casse-toi. Maria, ma chérie. Original, ma gueule. Eh, mais je vous jure que je les trouve grave. Grenouille, mais j'arrive plus à respirer. C'est cappuccino. Oui. Tu vas en série. Bien sûr. Je sais pas c'est qui. C'est le coiffeur fou. Ok. T'es déguisé en quoi? La casse à papier. Attends, je vais voir ta tête. D'accord. Attends. One Piece. Ok. Mais je crois que j'ai fait une dinguerie. Je crois que j'ai vraiment fait une dinguerie, les gars. Merci à vous. Vous voulez des bonbons ou de l'argent? Ah ben, y en a pas. Je suis dans la merde. Des fois, je mets des stories, je le jure que je le regrette. Ah ben là, je suis en plein temps, je le regrette de ouf. Mais en gros, là, je le jure, il y a 2000 euros. Il y a 200 billets de 10 euros. 2000 euros. J'espère que ça va suffire, hein. Je vous jure. S'il vous plaît. Alors, la distribution, c'est pas moi, je vais m'occuper. Ben, c'est Samos directement. Et. Non, mais. Si, il vole un billet de 10 euros, n'hésitez pas à me le dire, d'accord? De rien. Tranquillement, on recule. Il y a plus de 2000 euros, il y a assez pour tout le monde. Enfin, j'espère vraiment. Vas-y, laissez-moi rentrer chez moi, là. Allez, rentrez. S'il vous plaît. Venez, on évite tout ce qui est clash, tout ce qui est embrouille. Et si vous êtes d'accord... Décale, s'il vous plaît. Maria, viens, je te parle. Laisse-la, je t'appelle. Ouais, je suis accroché. Viens, je te parle vite fait. Oui. Je le vois, t'es triste. Je le vois que tu fais semblant de t'amuser. Qu'est-ce qui se passe? C'est avec ça, moi aussi. Si tu veux pas très bien ranger, moi, il me manque. Ses bisous, il me manque. Tout le monde. Ses bisous te manquent? Ouais. Et quoi, il veut plus te parler? Non, il me parle plus. Et toi, t'as besoin de lui? Tu veux te remettre avec lui, genre? Je l'aime. Carrément, tu l'aimes? Ouais. Sérieux? Oui. Non? Oui. Monte à la salle de bain d'en haut, t'inquiète, je vais le ramener. C'est bon. Petite parenthèse, juste pour vous dire que les dégâts de la chaîne T, ils sont numéro 1 sur Netflix. Numéro 1 sur Netflix, la chaîne T. Grosse force, ils méritent tellement Karim, Nono et toute l'équipe derrière. Même pas besoin de citer les places. Viens, je te parle là-haut, à la salle de bain. C'est bon?
Eh, tu putes la gueule. C'est le truc, oh là mon frère. Oh là mon frère. Viens. Rentre. Elle fait de la peine, elle est dégoûtée, tu lui manques. Plus de versions sur Snap. J'ai ton mot de passe Snap. Le mot de passe Instagram. Tous les mots de passe, je les veux. Oui, si tu veux, je te les donne. Et c'est moi qui commande. Mais attends. Mais c'est un couple ou une dictature? Et toi, t'acceptes, Maria? Bah oui, moi j'accepte tout. Quand... Mais pourquoi? Non, parce que je l'aime, je fais tout ce qu'il faudra. C'est ça, quand je dis « Ah, tu vas... » Non, quand je dis... Elle était forte, hein? Elle était forte, hein? Quand je dis « Ah, tu vas dire B. » J'ai compris. Mais tu crois que j'ai envie de rigoler avec toi? Pourquoi tu la regardes? Mais ma chérie, non, faut pas être... Toi, sur Snap. Mais dis pas non, ne me mens pas. Tu parles avec des filles. Oui, quand même. Mais c'est mes collègues. De l'époque. Ça fait longtemps que je lui expliquais déjà. Bah rien. Non, c'est ses amis de l'époque, d'enfance, il fait pas le dur, non. Tu vois. Mais toi, t'as pas le droit d'avoir des garçons, mais lui, il a le droit d'avoir des filles qu'il connaît de l'époque. Allez vous faire foutre les deux. Eh Maria, j'ai voulu t'aider, ma chérie. Hein. Mais c'est impossible. Hein. Eh, tu te laisses trop faire. Hein. Ah, fuck! Ah, mais c'est une vraie tronçonneuse en plus! Ah, ouais, je suis des mecs qui débarquent avec des vraies tronçonneuses à la maison! Ah, c'est une vraie ou pas? Oui! Mansour! Oui. Aujourd'hui, comment elle s'appelle la fête? Malouine! Tu connais Malouine? Non, c'est Halloween! Halloween! Voilà! Comment ça s'appelle? Halloween! C'est quoi ça, Halloween? C'est un truc où tu déguises bidon. Ah, c'est bison. C'est bison. Non, pas bison, bidon. Bison, ah, bidon. Tu fais quoi là? Des œufs mimosa. Des œufs mimosa? Je peux goûter vite fait? Bah attends, tu vois bien qu'ils sont pas. Non, non, mais vite fait, juste ça, tu connais ou pas? J'aime trop les œufs. Mais bien, hein? Malade! Tu sais que toi, faut que tu manges. Comme ça, tu nourris ton bébé. T'es où? Donc voilà, c'était la story de Nasdas avec Halloween. C'est le Halloween. Où les gens disaient ça, Halloween. Ouais, mais c'était l'horreur, le Halloween. Parce que tous, ils voulaient faire la fête à tout le monde. Ils en prenaient un, ils lui faisaient sa fête. Ah, qu'est-ce que je suis con. Joyeux Halloween, en tout cas, et joyeuse fête de la Toussaint. Voilà, pour ceux qui le fêtent. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, bien évidemment, et à vous abonner, voilà, sur la chaîne. C'est gentil, surtout que là, c'est les vidéos sont repeat, j'ai dû tout couper, ça m'a pris un peu de temps. Voilà, il n'a pas désactivé le mode repeat sur quand il fait les snaps. Et pour ceux qui ne veulent pas écouter mon commentaire, bah, c'est assez simple. Vous pouvez appuyer sur stop, c'est qu'un geste du doigt qui prend une seconde, de tout comme mettre un pouce bleu, voilà, ou si vous n'avez pas le temps, c'est toujours mieux d'écouter jusqu'à la fin. Des fois, j'apporte des précisions, tout ça, comme je les suis depuis longtemps, tout ça, ou sur des décryptages, le cas échéant, tout ça, ou sur différents sujets. Je donne mon propre avis, il y en a qui aiment bien, il y en a que, voilà, vous n'êtes pas obligés non plus. Donc, concernant 4B et le petit, on sait que 4B va pas faire de mal, ni quoi, ou qu'est-ce, mais bon, pour Ena, c'est un enfant qui est parti avec un enfant. Même s'il est grand maintenant, 4B, il reste jeune dans sa tête, on va dire. Puis, ouais, faut prévenir, au moins prévenir, demander l'autorisation. C'est le minimum parce que les parents vont s'inquiéter, bien sûr, donc on ne sait jamais si, tout ça. Donc 4B est en tort là-dessus, même s'il n'y a pas de mal à la base.
Voilà. Donc, après la technique de Nasdaq, là, pour Halloween, joyeux Halloween, tout le monde, lol. C'est un bonbon ou un billet. Mais les gens, ils sont pas cons, ils vont prendre un billet, bien sûr. Parce qu'avec un billet de 10 euros, je sais pas combien ça coûte les paquets de bonbons. Ça doit coûter 1 euro ou 2 ou 3. C'est-à-dire, ils s'achètent des gros paquets, 3, 4 gros paquets de bonbons avec 10 euros. Alors que, tiens, putain, moi, j'essaie de faire un petit régime en ce moment. J'essaie de perdre un petit peu de poids parce que j'en ai pris un petit peu beaucoup. Ouais, un petit peu beaucoup, ouais, je sais pas si ça se dit, là. Donc, bien sûr que tous, ils vont prendre un billet, là, plus les bonbons en plus. Donc, après Samos, voilà, il a clairement arnaqué Nasdaq, parce que Nasdaq, il leur a donné chacun des sous pour qu'ils achètent un déguisement. Donc, en fait, son déguisement, il a pas coûté cher, il s'est gardé l'argent dans la poche, Samos. Samos, il perd pas le nord. Il perd pas le nord. Voilà. Cappuccino, je l'ai reconnu cash parce que moite-moite, le déguisement moite-moite, direct. J'ai capté ces cappuccinos. Voilà. Après Maria, il abuse Samos parce que lui, il a le droit de parler et elle, non. Donc c'est dictateur dans un couple. Faudrait savoir. Soit c'est chacun, il a le droit de parler à tout le monde, soit chacun, il parle pas. Mais il faut pas non plus. Il abuse là. En plus, il doit lui donner ses identifiants, ses codes Snapchat, Instagram, tout ça. Il va faire les enquêtes maintenant. Donc voilà, c'est pour. Donc on a vu Loriana aussi dans la story avec les The Mimosa. C'est quoi déjà les The Mimosa? C'est en fait le jaune d'œuf, il est mélangé avec la mayonnaise, il me semble. C'est ça, non? Je me rappelle même plus c'est quoi déjà les mimosas. Ouais, il me semble que c'est ça. C'est la mayonnaise, elle est mélangée avec le jaune d'œuf. Donc, elle va mieux. Donc, elle n'a pas accouché. C'était ses deuxièmes contractions. Donc, je pense que les prochaines contractions, c'est la bonne. L'accouchement, je pense, très prochainement pour Loriana. Elle nous a fait peur. Voilà, quant à l'histoire avec comment il s'appelle, avec Rimo, la vidéo, elle date excusez-moi, elle date d'avant qu'il soit dans la team Nasdas. Ça se voit par rapport à la longueur des cheveux, voilà, par rapport à la longueur des cheveux. Et concernant Maria et Samos, bah c'est voilà, Maria a discuté avec quelqu'un sur Snap qui est venu à Saint-Jacques. Et il s'est embrouillé avec Samos du coup, et Samos doit faire un combat de boxe avec lui. C'est dans la vidéo qui sera en lien à la fin de cette vidéo, dans la dernière vidéo de Nasdaq que j'ai mis. Donc si Samos y gagne, le gars il avait dit le Suisse, le Renoir Suisse, il avait dit le petit Suisse, il avait dit qu'il voulait rentrer dans la team Nasdaq de n'importe quelle manière, voilà, en se servant de Maria. Alors là, c'est s'il gagne contre Samos, il rentre dans la team Nasdaq. Si Samos il gagne, après Samos, il n'a jamais gagné un combat de boxe. Ça fait des années qu'il est à la boxe, il n'a pas encore gagné un combat de boxe. Donc je ne sais pas. C'est dans la vidéo, elle sera en lien à la fin de cette vidéo-là, dans quelques secondes. Voilà, tout simplement. Donc voilà le récapitulatif des récapitulations de les actualités de la team Nasdaq aujourd'hui. Pour ceux qui ont loupé, parce que ça s'efface définitivement au bout de 24 heures. Pour ceux qui n'ont pas Snap, qui ne veulent pas d'un énième réseau social pour l'instant. Pour ceux qui connaissent pas Snap ou qui n'ont pas le droit d'utiliser Snap. Ou ceux qui veulent regarder, ceux qui se perdent sur YouTube et sur Google également. Et ceux qui veulent regarder sur un grand écran télé ou un écran géant. Ou sur Nintendo Switch via l'application YouTube et ma chaîne, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là s'affichent d'autres propositions de vidéos. Donc merci et à bientôt.